Yo les gens, c'est Dark King pour une nouvelle vidéo sur Palladium. J'espère que vous allez bien et pour ma part ça va nickel. Et oui les gens, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais essayer de me faire beaucoup de monnaie avec des lucky blocks. Juste avant que la vidéo commence les gens, je voulais vous remercier. Vous avez atteint 2000 likes sur la dernière vidéo, franchement vous êtes juste des fous, merci à vous. Si nous pouvons atteindre maintenant les 1500 likes, ça me ferait juste super plaisir. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Le gagnant des 2 stacks de blocs de Palladium s'affiche devant votre écran, bravo à toi. Je refais gagner 2 stacks de blocs de Palladium dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter. Tous ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait juste super plaisir. On approche vraiment des 56 000 abonnés, c'est juste énorme. Mais surtout, le plus gros objectif avant que le 2019 pardon, se termine, c'est d'avoir les 60 000 abonnés. Vraiment c'est un chiffre aussi qui me fait rêver. Donc enfin après maintenant tous les chiffres me font rêver, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000. Donc voilà, tous les chiffres me font rêver, donc ça me ferait juste super plaisir d'atteindre les 60 000 avant Noël. Ce serait le plus beau des cadeaux que vous pouvez me faire, pardon. Donc voilà, je vous fais confiance. Bref, moi je vous laisse, c'était Dark King. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Du coup les gens, pour me faire masse monnaie, il me faut du coup plein de lucky blocks. Et je n'ai pas énormément de bois, hein, c'est triste. Du coup je vais tout simplement aller dans mes coffres et voir si je n'ai pas du bois pour me faire un tout petit peu de lucky block. Donc je pense que je vais me faire environ 100 lucky block. Enfin 100 lucky block. Eh merde. Ah fuck it. Voilà. Je vais me faire, je pense, 100 lucky block. Donc je vais me faire, au pire je peux me faire, non, je vais pas me faire 100 lucky block. Au pire ce que je vais pouvoir faire c'est, s'il te plaît, ouvre-toi coffre en diamant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 108 slots dans un coffre en diamant. Bah écoutez, nous allons faire 108 lucky block dans cette vidéo et on va vendre les 108 lucky blocks. On va vendre un lucky block à 100 000 $. Ce que je vais mettre, c'est plutôt cool. Je vais mettre 50 diamond nuggets dans les lucky blocks et je vais mettre aussi non 16 blocs ou 32 blocs ou 8 blocs de non pas 8 blocs parce que c'est vraiment de l'arnaque. Donc 16 blocs ou 32 blocs de palladium dans les lucky blocks. Donc voilà, il y aura 50 diamond nuggets cachés et il y aura aussi non 16 ou 32 blocs de palladium dans les drawers. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Du coup je vais tout simplement farmer les bois, le bois pardon. Donc il me faut pas mal de bois. Bref, moi je vous retrouve dès que j'ai tout simplement tous les drawers qu'il faut. Donc 108 drawers. Allez, c'est parti, à tout de suite. Les gens, parfait, le gamer nocturne m'a tout simplement donné masse de bois. Donc là bah clairement c'est plutôt cool. J'avais vraiment la flemme de tout casser. Alors slash craft. Et bah écoutez c'est parti, je vais tout simplement maintenant me faire masse de coffres. Il m'en faut du coup 108. Là du coup c'est bon, j'en ai 108 piles. Parfait, écoutez maintenant il faut tout simplement que je me fasse maintenant des lucky blocks. Et là t'as 64 lucky blocks et maintenant tu fais ça comme ça. Et voilà nickel, t'as 108 lucky blocks. Fuck. Bon bah écoutez nickel, on va mettre le bois qui me reste dans mes coffres. Je vais chercher le drawer à palladium et nous on se retrouve dès que j'aurai tout rempli les dès que je vais avoir tout rempli pardon, c'est mieux comme ça. Et tout simplement les drawers. Allez à tout de suite. Voilà les gens, c'est bientôt terminé. Donc je vais prendre du coup 50 diamond nuggets. Parfait, du coup il m'en restera 59. Mais c'est pas grave, après j'en rachèterai, vous inquiétez pas. Donc hop c'est parti. Je vais flouter quelque chose aussi parce que si je le floute pas ça vous spoil encore une autre vidéo. Parce que moi en fait je suis très bien organisé en fait. Vous avez vu ça. Alors du coup 50 diamond nuggets. Alors je vais mettre la première diamond nugget là dedans. Je vais mettre la deuxième ici. La troisième ici. La quatrième ici. Et la cinquième ici, voilà parfait. Donc regardez il y a aussi, là il y a 16 blocs. Là il y a 21 blocs. Là il y a 21 blocs, là il y a 22 blocs. Là il y a des stick of god, 32 blocs. Donc 32 blocs, 32 blocs, 16 blocs, des stick of god. Là il y a 128 graines en palladium. Donc je pense que pour du coup je pense que pour 100 000 unités c'est vraiment pas mal. Je vais maintenant tout simplement récupérer tout ça dans, enfin je vais récupérer tous les drawers et je vais mettre tout ça dans le coffre. Hop voilà, je vais prendre la petite hache. On va faire un petit slash palalag time. Et du coup il me reste une, il me reste plus d'une minute pour récupérer tous les drawers. Je récupère tous les drawers et après nous les gens on se retrouve dès que les dès que bah j'ai tout mis dans les coffres et dès que j'envoie des messages pour tout simplement les vendre. Ok parfait, c'est bon, je récupère les derniers drawers et voilà nickel, on les met là dedans et voilà. Il y a 50 diamond nuggets là dedans et il y a plus de 1000 blocs de pal, 1300 1400 blocs à l'intérieur de tous les drawers. Enfin à l'intérieur de tous ces drawers il y a 16 ou 32 blocs, mais en tout ça fait plus de 1300 blocs de palladium. Donc on va mettre un petit message. Je vends 108 lucky blocks. Dans 5 lucky blocks il y a un endium nugget, 100k par unité MEMP. C'est parti, on envoie ça. Voilà.
Bon bah écoutez les gens, moi je vous retrouve dès que nous avons des gens qui veulent m'acheter des Lucky Blocks. Allez, à tout de suite. Ok, alors là il y a Clément34 qui me dit je peux avoir un Lucky, donc c'est parti, on va prendre dans le coffre un petit Lucky Block. Ok, celui-là, on va CPA Clément. What? What? Qui est là? Slash staff list. Il veut un Lucky Block, donc j'en ai pris un au hasard. Hop, on va aller lui donner ça. Du coup, j'aimerais... Ah, par contre, j'ai peur des TP-kills, en fait. C'est ça, le problème. Ok, il est là-bas. J'espère surtout pas que c'est un mec qui veut juste me kill, en fait, mes TP-kills. Ah, 200 000? Ah bah, il en faut deux, alors. Ok, bah, tiens, et sa chaume base. Je vais reprendre un. Et je reprends un autre drawer dans les coffres. Parfait, nickel. Tiens, mec. Alors, attendez. Zoom. J'achète pour 2 millions de Lucky. Comment on fait? MSG Nessia envoie l'argent et je... me TP. Ok les gens, donc là on a un très gros trade avec Nessia off. Donc Clément aussi, merci à toi qui m'a repris encore deux drawers. Du coup il m'a donné 400 000 $. Et là il y a Nessia off qui vient me donner 2 millions de dollars. Donc eh bah on va tout simplement lui vendre 20. Enfin lui donner 20 drawers. Donc c'est plutôt cool là ce petit trade, je suis assez content. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 et 20 drawers. Slash TPA Nessia off. Ok, donc on va lui donner les petits drawers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, bonne chance, mec, et merci pour ton trade qui a été, ma foi, plutôt cool. On va retourner au home base. Donc là, franchement, ce fut un trade énorme. J'espère quand même pour lui qu'il va avoir un petit nugget. C'est tout ça. Donc là, il en reste pas mal encore, mais franchement, je suis content. Il y a beaucoup de gens qui veulent en acheter, donc c'est pas mal. Ok, donc Sleep Tom qui vient de m'envoyer 400 000. Hop et hop. Non, attendez, j'ai pris... J'espère sincèrement que les gens ils vont être contents des lots parce que... Hop. Voilà, 4 drawers pour toi, mec. Tom qui me redonne 400 000 $. Ok, on va repartir. Slash TPA Sleep Tom. Ok, c'est parti. On va lui redonner 4 drawers. Bon, je t'en reprends un MDR si possible. Bien sûr que c'est possible. Ah, ma hache. Bon, tant pis, vas-y, c'est cadeau. Ok, parfait, slash home base. Ok, donc The Dark Yo, tu m'as donné 100 000 $ home base. Merci à toi. On va se TP à Nekjim qui m'a aussi donné Nekjim. Ok, faut juste pas que j'oublie Nekjim, ok. Je me TP à Nekjim, c'est bon Nekjim. Après, il y aura Rubiox. Nekjim, tiens, slash TPA Rubiox. Bon bah là je crois que j'ai perdu ce que j'ai donné à tout le monde hein. Alors il y avait Iklisa, Nekjim j'y suis allé. Rubiox c'est bon. The Dark j'y suis allé. Clément34 j'y suis allé. Ragia j'y suis allé. Ok, donc il y a Lixi qui m'a encore envoyé 300 000 $. Donc slash TPA Lixi, parfait. Donc là il y a plus grand monde qui en revole. Non c'est bon. Donc Lixi, paf paf paf. Ok, 1, 2 et 3. Ok, un Stick of God et 20, 32 blocs et 16 blocs. Bon bah GG, hein, c'est plutôt cool. Bah du coup les gens il m'en reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23. Il me reste 23 drawers à vendre et puis ça sera bon. Bah franchement pas trop mal hein. On va stepper maintenant à JBez qui m'a donné 100 000 $. On va prendre un drawer par exemple lui direct. Lixi qui m'a donné 200 000, tiens. Slash home base. Bon bah écoutez bah je pense que là Nekjim encore qui m'a donné 100 000 $. Slash TPA Nekjim, c'est parti. Bon les gens, j'ai envie de voir il reste combien d'Endium Nuggets, s'il en reste bien évidemment. Alors et bah pour le moment j'ai l'impression qu'ils ils sont tous partis. Oh la vache, tous les Endium Nuggets sont partis. Ah non, un Endium Nugget ici. Bah écoutez c'est plutôt pas trop mal. Bon, vous savez quoi, je vais mettre 32 de plus. Dans chaque drawer où il y a que 16 blocs, je vais mettre 32 de plus. Donc là, 22, 26, 32, 21, 16, hop, 32 de plus, 16, hop, 32 de plus, 22, 22, 21, 32, 32, 32, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il reste... Ok, donc Lixi, Tom, ok, donc ça, HTPA, Sleep, Tom, qui m'a... envoyé 100 000 $. Eh bah il a 32 blocs de palladium. Slash TPA Nekjim, c'est parti. Oh, GG Lixi qui a eu la pépite en endium. Mais GG à Lixi qui a eu du coup la pépite en endium, la dernière. Donc grand bravo. 500 000 $ de Alphasto. Donc on va se TPA Alphasto. Bon bah GG à toi Lixi. Alors Alphasto, 1, 2, 3, 4 et 5.
Drawer. Et du coup, je suis à 9 900 000 dollars. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 8 Lucky Blocks. Bon, les gens, ce que je vais faire avec les 8 Lucky Blocks, c'est que je ne vais pas les vendre tout simplement parce que bon. Bref, nous les gens, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Et je dois vous dire 2-3 trucs par rapport aux Indium Nuggets. Je vous sens déjà venir avec les gens qui vont dire ouais, tu devais pas les vendre et tout ça. T'es un fou et tout ça. Vous inquiétez pas. On se retrouve juste après. Bon les gens, beaucoup de monde vont peut-être se demander que j'étais un peu bête de mettre 5 Indium Nuggets pour me faire des Lucky Blocks. Mais regardez, j'ai maintenant 6 500 000 dollars. Pourquoi? Alors que j'avais 10 millions. Parce que tout simplement, regardez les gens, j'ai racheté les Indium Nuggets qui me manquaient. Donc j'en ai racheté 5. Donc je remercie en tout cas Floz qui m'en a vendu 3. Et une autre personne qui m'en a vendu 2 autres. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Et du coup, j'ai pu redevenir le mec le plus riche en Indium. Non, je déconne. J'ai pu avoir mon stack de Nuggets en Indium. Donc voilà, je suis assez content. En tout cas les gens, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, l'objectif des 1500 likes, ça me ferait juste super plaisir de les atteindre, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, et moi je vous laisse, c'était Darking, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, bisous tout le monde.